Salut à toutes et à tous, c'est les petits 06 et on se retrouve pour la suite du mode carrière sur PlayStation 4. Alors je suis désolé pour la dernière vidéo, hein, je n'y suis vraiment pour rien. C'est Vegas qui voulait vraiment pas accepter le fichier, alors je vous explique hein, vite fait. En fait, je mets tout, hein, intro, machin et tout, et je mets le fichier de base et il s'arrête à 5% de synchronisation et hop, il fait planter le logiciel. J'ai essayé plein de trucs de le rentrer autrement. Je voulais le couper en deux pour faire deux parties. Le logiciel il plantait, il voulait pas. Il voulait absolument pas. J'ai été obligé de le compresser et en compressant, bah ça enlève du temps de vidéo. Donc, et ben, c'était plus synchronisé et c'était ça. Soit vous aviez pas de vidéo. Voilà. Je suis désolé. Donc j'espère qu'aujourd'hui ça va pas le refaire. Donc voilà. Allez, on continue le mode carrière. Je suis sur une nouvelle installation parce que bon. J'ai pu réhabiliter un canapé, enfin, ça va pas être facile. Enfin bon, au pire, j'ai toujours mon petit siège à côté de moi en cas de problème, en cas de besoin. 10 balles là, vous foutez votre argent dans les fesses, hein, je le vendrai jamais. Hop. Allez, suivant. Alors. Non, parce que je sais pas, et ce petit jeune a l'air d'être sympatoche. On va l'ajouter à la liste prioritaire, puis voilà. Mandzukic, ouais. On va d'abord aller voir un petit peu nos réseaux. Parce que j'ai rappelé mes recruteurs. Ah, parfait. Hop. Voilà. Et non. Alors, donc, lui, on va te renvoyer. Attends, l'autre, il est où? Allemagne, donc toi, on va t'envoyer dans la zone, donc. En France, ouais. Toi, on va t'envoyer aux Pays-Bas. Toi, va t'envoyer en Belgique. Et le dernier, on l'enverra au Brésil. Et ainsi de suite. Après, pour les jeunes. Pour les petits genoux. Ok, Italie, Portugal, c'est bon. Oh, bah tiens, allez hop, un petit troisième. Voilà. On est équipé maintenant. Bon, allez, premier... Ah bah tiens, j'ai oublié de montrer le calendrier. Alors, on va faire un match contre Brest. Si on a le temps, ouais, Cardiff. Et puis, si on a vraiment le temps, on fera Montpellier, mais je pense qu'on l'aura. Allez, on va se dépêcher un petit peu. D'abord, on va faire l'équipe. Donc, Reader au cache, pourquoi? Ah oui, d'accord. Oui, Reader, oui, c'est normal, c'est le match amico. Donc là, ici, c'est Abatté remplaçant Walker. Pourquoi? Parce que priorité aux plus âgés. Bon, je ferai tourner les deux de toute façon. Mangala, voilà. Nessio. Ok, Ravi Martinez, Müller, Lucas, 2P, Draxler, MOC. On change pas. Attaque, Manzo. Remplaçant, Zuma, Walker. Müller, ok. Je regarde un peu les réservistes vite fait. Chauve Green. Dybala Bastos. Non. Ok, tout est bon. Vite fait, on va aller d'en vendre. Green. Belle perspective de venir, ouais, on va l'utiliser, on a dit. Weiser, c'est lui qu'on va prêter, voilà. Merde.
On va le prêter parce qu'on va pas forcément l'utiliser. Allez, cette fois-ci, on est vraiment parti pour le match face à Brest. Ouah, c'est pas facile de jouer de mon canapé parce qu'en fait, on est un poil plus loin et un poil plus bas. Enfin, un poil, ouais, un peu plus bas. Oh. Donc, et voilà. Bon. Alors. Allez. Ouais, on a enfin réussi. Oh. Hop, on y va. Bon, allez, on s'en fout, attention. Et c'est parti. Allez. Ouais, ça va être trop dur pour jouer. Je vais remettre mon siège. Ah, désolé pour le bruit. Si vous l'entendez, je pense pas. Hein, je crois pas. Voilà. Ah, bah oui, là c'est beaucoup mieux. Ah, ouais, là on est beaucoup mieux. Bon, passons. Allez, on y va. Bon. Allez, vas-y, Suarez. La frappe. Oh. Oh, oh, oh. Oh, dommage. La blague. Ah voilà. Eh, je me suis un petit peu emberlificoté dans mes dribbles. Ouais, puis aussi j'ai une petite coupure dans le pouce, alors pour jouer c'est pas facile. Ça fait un peu mal là. Oula. Oh. T'es sérieux? Bon geste défensif, il a toujours autant de contact. L'attaque enrayée. Attention à cette perte de balle au milieu. Et voilà ce qu'on peut appeler une bonne couverture. Oh. Draxler, la frappe. Oh là. Un peu loin pour taper, hein. Ah, peut-être une bonne occasion.
Bah ouais ça. Désolé, un truc externe à la vidéo. Oh. Les nouvelles petites recrues pour l'instant font du bon boulot, on va dire pour l'instant. Ah dommage. Ouais, en légende c'est pas si facile qu'on croit hein. C'est dur dur dur. Bah faut prendre le coup, après ça ira. Hein. Mais non, mais c'est quoi ces passes d'abruti là? Mouais. Première mi-temps lamentable, ça commence à me péter les balles. Allez. Oh, sérieux. Oh. Oh là là. T'es beau encore une fois. Je dis ça parce qu'avec Aston Villa, j'ai pas réussi pendant 78 minutes à lui mettre un but à ce connard. Je sais pas pourquoi, mais Thébo dans FIFA, il est bullshit. Ouais, non. Il joue en plus en ultra def, c'est impossible.
ça va être très difficile. Ouais. Si on ne trouve pas l'ouverture en légende, c'est impossible. C'est-à-dire que maintenant, même une toute petite équipe, elle devient chiante. Et encore plus chiante qu'avant. Alors. Font chier. Oh non mais... C'est impossible, quand l'ordi en légende décide de vous empêcher de marquer, vous n'y arriverez pas. C'est impossible. Vous n'y arriverez pas. Vous aurez beau tout essayer, impossible. Nine. Si l'ordi décide non, c'est non. En légende, c'est à moins d'un coup du sort et d'avoir un penalty ou une couille, c'est impossible, vous ne marquerez pas. Et c'est comme ça que vous retrouvez des équipes comme Brest qui va jouer comme le Barça. Voilà. C'est n'importe quoi. Voilà pourquoi c'est chiant de jouer en légende. Voilà. Quand l'ordi décide de jouer en mode Barça, bah, vous pouvez vous trousser pour mettre un but. Casse-pièce. Voilà. Bon, espérons que contre Cardiff on aura plus de bol. Allez, on y va.
Alors, Ryder, tu joues toujours. Donc là, on va changer un peu. Voilà, tiens. Ouais, ça, on laisse. Bien sûr, raison laisse. Alors. Donc, Weiser. Green. Voilà. On y va. C'est parti. Contre Cardiff. Moi je pensais que vu ce qui s'était passé avec la Coupe du Monde ça allait, mais là ça, on peut pas tout le temps non plus tout gagner hein. Ça va être dur en légende. Bon. Et c'est parti donc pour ce deuxième match amical face à Cardiff. L'ordi va être casse-couille. Oh. Oh. Putain. Allez. Y a personne qui vient, c'est incroyable ça. Oh les appels, voilà. Oh, dommage. On n'était pas loin d'ouvrir le score, mais bon, encore une fois, hein, l'ordi. Nine, tu ne marqueras point, hein, mon petit Kinder. Session du ballon.
C'est incroyable. Et il est où ton hors-jeu? Pour 2 mm 30. Bravo. Félicitations, le jeu, tu es... Vraiment, vraiment, je crois qu'il faudrait le même radar dans ce jeu qu'en vrai, hein, parce que vraiment... Ah ouais, là, c'est le radar hors-jeu le plus puissant du monde. Hein. 2 mm, le pied, il déborde de 2 mm. Chut, allez, chut, aucune pitié, hors-jeu. T'es pas content, c'est pareil. Ah, allez, moins 1, ça t'est fait. Au suivant. Donnez-nous le ballon. Oh, les méchants. Non! Génial. Mi-temps de merde. Des gardiens bullshit. C'est... super, le mode légende, c'est génial. Qu'est-ce que je m'amuse, moi. Oh, un coup franc. Waouh, à 34 mètres. Ouais, elle était dedans, mais bon. Ordi bullshit. Bing, direct sur le ballon. Ouais. On va peut-être trouver le cadre un jour. Pas encore. Bon. Bien joué. Un éditeur qui semble décidé à presser l'adversaire. Quoi? Et quoi? Il a pas fait exprès. Mais regardez, ils sont berlificotés les deux. C'est quoi ce bordel? Très bon tacle.
très réussi, il récupère le ballon. Et le jeu se poursuit, il y a avantage, c'est bien arbitré. Une bonne application sur cette interception. Taylor. Et la passe en retrait pour le gardien. Une récupération, milieu de terrain. Ah, il perd le ballon. Suarez. Défenseur qui est passé. J'ai beau tout essayer, il n'y a rien qui rentre. Je suis même sûr que si je tente la passe devant les cages, ça me rentrera pas. Bah, même les têtes, ça marche pas. Müller ? Oui ! Enfin ! Enfin, nous avons trouvé le cadre ! Alléluia ! Alors, ça fait... 5 minutes, 5, 10... Environ 14 minutes sur deux matchs en temps réel, hein, pas temps de jeu, qu'on essaie de marquer. Enfin ! Bon... Ouais, on va faire comme ça. Müller, t'as gagné ta place. C'est bon, t'as gagné ta place pour la saison, t'as marqué un but. Tu nous prouves que en légende, tu peux marquer des buts. Donc, tu joueras. Attention, le défenseur est passé au travers. Manque d'application sur ce centre. Et la défense peut éloigner le danger. Excellente interception, bien joué. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain, devant son public. Bakali ? Oh ! Ouais, le gardien, c'est pas fini. Chaloba ! Contré par le dos de l'autre machin là. Bah voilà. Carrément le ballon à l'adversaire. Taylor. Et le ballon qui change de camp, magnifique. Ils vont tenter d'égaliser sur ce ballon l'année dernière. De la part de la défense. Connoué. On est vers la zone de vérité. Match cover. Voici un bon appel de balle. Connoué. Allez, allez. Bon, et ben 0, voilà, ça va. Ouais, 0 contre Cardiff. Normalement, on est censé battre ça 5-6-0. Non. Mais bon,
comme on a bataillé pendant un moment pour mettre un but en deux matchs. Bon, allez. Alors. Ok. Ça, c'est fait. Aux Pays-Bas. Ouais. Ah, oh, je l'ai déjà. D'accord, le mec, il me repropose des trucs que j'ai déjà. Lui, il est intelligent, lui. Ah, ça, c'est les trucs, là. Ouais, les machins agents libres. Alors, on a des stats pas mal, mais bof. Bon. Maintenant, Weiser prêt, ok. Oh là 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 là. Ah, c'est ça m'énerve parce qu'il trouve des trucs qu'on a déjà trouvés. Allez-moi ça. C'est un peu chiant. Allez, troisième et dernier match de cet épisode. Alors après l'épisode hors caméra, j'irai chercher, j'irai faire un petit tour sur les agents libres et tout ça. Et j'essaierai d'en prendre quelques-uns dans la liste pour voir ce qu'il y a. Sinon donc, Reader toujours. Autour de Rafinha, Mangala. Ouais, un jeune. Contento. Green et... Ok. Après. Bah non, j'enlève le truc pour remettre le truc. Ouais non, voilà. Sinon, sur l'autre match, je crois que c'était Zuma, je sais plus. On s'est pas pris de but. Donc je sais pas. Ouais, en fait, je fais tourner tout ça pour tester un petit peu tout le monde. Sinon, Diar, bah, je l'ai pas trop aperçu pendant le match. Bon, c'est sûr, j'étais tellement concentré à essayer de mettre un but que bon, après... Mais bon, pour l'instant, toutes nos petites recrues ont l'air d'être efficaces. C'est parti, donc. Et les jeunes sont à peu près au rendez-vous, donc voilà. Hein. Tout va bien. Vraiment abruti celui qui était devant là. Dégage de là quand l'autre il fait la passe. Tu t'en vas. Reste pas au milieu quand il y a un truc défensif. Oh, ça pique un peu, mais ça dégage. Oh, ça va.
ces conditions, c'est difficile de carrer. Marvaux. Samson. Ouais, elle est bien partie, cette frappe. Ah non, je ne peux pas cadrer. Et il a dévissé, hein. Il n'a rien lâché là sur cette interception. Bien joué. Le bon appel de Luis Suarez. Bien dosé pour Suarez. Jonas Martin. Il s'approche. Voilà, bonne occasion. Défenseur qui est passé. Ah, attention, la frappe. Oh! Mais ça, c'est à cause du défenseur là. Comment il s'appelle là? Il faudrait que je l'ai là. Ouais, voilà, Flum. C'est à cause de lui. Ça, à chaque fois, il passe par lui et on se trouve par son côté. Bah, c'est un petit jeune qui a 61 de général. Donc, bon, c'est sûr, il peut pas faire des performances de ouf. Mais bon, quand même, il faudrait peut-être qu'il se concentre un tout petit peu. Green. Oh, dommage. C'est passé à 3-4 cm de l'équerre. C'est dommage. Mais il a du potentiel, le Julian Green. Peut-être pas quelqu'un de très geste technique. Enfin, pas quelqu'un de très technique, hein, voilà. Sinon, en termes un peu plus français. Mais il a l'air d'être sympa. Allez. Voilà, je l'ai dit. Même un but dégueulasse ne rentre pas. C'est génial. Comment on va faire pour marquer alors? Si les têtes ça marche pas, les frappes c'est une fois toutes les je sais pas combien de temps. Ouais, enfin bon, si on gagne les matchs à chaque fois 1-0, voilà quoi. C'est mignon, mais bon, voilà quoi. Bon, on va dire que ça. Et voilà. Et voilà. Il marque en 3 secondes. Pff, c'est n'importe quoi. Voilà. Chute. C'est tout, maintenant ça suffit là. Tu veux jouer au malin l'ordi, on va jouer au malin. Va t'en mordre les doigts. Tu vas t'en mordre les doigts. Oh, articule quand tu pètes. Rien à foutre. Se prendre des rouges et des jaunes. Et alors, on défend. C'est la muraille de Chine. C'est tout. Allez, voilà, c'est tout. Ah bah là, maintenant, là, je préfère, c'est bon.
Là, je préfère. Là, c'est mieux. Là, 2 buts à 1, là, c'est mieux. C'est mieux que 1-0. Là, je préfère. Voilà, si c'est comme ça souvent, moi, je veux bien. Voilà, je préfère ça que gagner 1-0. 1-0, voilà, quoi. C'est gentil, mais voilà, quoi. Là, 2-1, il y a plus de suspense. C'est... Voilà, c'est plus sympa. Moi, je préfère. Je préfère quand genre, il y a 2-1, 3-2, 4-3. Vraiment, il y a du suspense. Ça met des buts partout. Oh. Tu. Ah. Oh. Oh. Le pauvre. Et Julian a fait une excellente passe. Donc on va le faire tirer, on va laisser Julian Green le tirer. Le mérite. Voilà. Merci Julian, bravo. Parce que là, il a fait une passe magnifique pour Suarez. Il avait fait une méga passe. Enfin, je sais pas si vous vous en rappelez là à l'instant avant qu'il y ait le penalty. Rappelez-vous tout à l'heure la passe. La grosse passe d'ailleurs. Attendez, je vais vous montrer vite fait. Ralentis celle-là. Hop. Hop. Bien avant le péno. Allez, bouge. Allez, bouge. Il n'y a pas vitesse plus rapide. Voilà. Julian, méga passe. Et là. Toc. Voilà. Ça, c'est une future graine de champion. À faire des passes comme ça avec des stats pas non plus méga élevées. Il est fort. Il est fort. Merde. Ah. Ah, m'a fait peur. Après aussi, il faut que je m'habitue, voilà, au niveau légende. En plus de mes matchs d'entraînement, au bout d'un moment, ça ira, voilà, ça ira tout seul. C'est les débuts, c'est toujours un peu lent, mais après ça va tout seul. Sandor Vigna, oh, yeah. Oh. Ouais. J'ai taclé dans le vide pour jamais un jaune pour ça. Mais toi, t'as vraiment réussi ta vie, l'arbitre. Hein. Wouah! Attention, on l'a tué là, on l'a tué. Oh là là. Ah, et là, il se roule par terre. Arrête, c'est quoi cet arbitre? Eh, c'est bon, c'est pas grave, on s'en fout. Allez, tiens, il continue. Le vieux filou. Ouais. Si tu veux. Magnifique.
Mais les passes de Julian Green. Luis Suarez. Oh putain, oh, trop bon. Bravo. Applaudissements sur la manette. Bravo. Oh là là, Julian Green Suarez. Bon bah je crois hein, je suis pas sûr, mais je crois qu'on a trouvé notre duo hein, bon. Notre duo pour la saison, oui, un tout petit jeune, 19 ans, Julian Green avec Suarez. Green pour ses super passes et Suarez pour sa finesse et sa finition. Il est rapide quand il veut, il a une bonne accélération, sa vitesse est pas trop élevée, mais il a l'air d'avoir une bonne accélération. Bon, sinon, effectif, ouais, Kroos donc, Chemedjani, Schoff ici, étoile là, et Green tu vas sortir et on va faire rentrer, bah non, on va faire rentrer N pour le tester. Alors N sur le 13, je l'ai beaucoup aimé. Il était bon. Il était bon. Bon après, entre 13 et le 14, il y a des différences, donc je pense qu'il sera peut-être pas pareil, hein, on verra. Chauffe. Green. Quand même Ryder, enfin Ryder là il fait du bon boulot hein, là c'était ma faute. Sous Gentlemani. Ah il est bon Ryder comme remplaçant, moi il... D'accord. Il fait plaisir, Reader. Hein. Ça fait deux saisons là, deuxième saison, il confirme ma satisfaction envers lui comme deuxième gardien. Au moins Neuer se repose tranquille, finit ses vacances. Comme Reader jouera jamais, enfin à part les coupes, sauf la finale bien sûr. La finale c'est Neuer. Bon, bah on va finir presque ce match là sur 4-1 quand même. Ah, je préfère ça qu'un 0, là c'est mieux. Bon, aussi Montpellier, ils se sont un peu là. Ils nous ont un peu sous-estimé avec leur gardien, la Ligalier là, je sais pas ce que c'est. Bon, on fait le score final, donc 4-1, je sais pas d'où ça vient son Ligalier là. Il était très très mauvais sur ce match. Hein. Voilà, Reader. Je sais pas si en fait Raider il a mal compris, il avait mal compris ou pas la trajectoire. Mais bon. Bah il est encore jeune et 62 général, donc les petites erreurs comme ça, bah ça arrive d'en faire. C'est pas grave, hein, c'est pas non plus chiant. Rankovic. Rankovic, tu vas dégager. Je sais pas, j'ai assez de défenseurs droits. J'étais pas content. Au pire, ça dépend.
Bon, si, j'ai besoin de place et en plus, bon, tu peux. Allez hop, dégage. Ça fait penser combien? 41? Ok. 41. Ouais, bon. Non, on va garder pour les jeunes au cas où. Contrat. Alors, Gauthier, tu demandes. Voilà. Ok, bon, ça c'est fait. Bon, et ben voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à me suivre sur Twitter. Bon, et ben dans le prochain épisode, nous commencerons le championnat d'Allemagne. Donc, bon, bah, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao tout le monde.